Alors, qu'est-ce qui m'a marqué en 2023? Qu'est-ce qui était positif? Qu'est-ce qui était négatif? Je t'en parle en toute transparence dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi. Bonjour. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Itedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. J'investis voilà, au Cameroun, en Allemagne. Pour le Cameroun, on a des appartements meublés qui sont disponibles. Si tu es intéressé, tu peux me contacter sur un des numéros qui s'affiche pour ce qui est donc de l'immobilier. En Allemagne, tu peux prendre déjà la première consultation qui est gratuite. Tu peux prendre un coaching, tu peux prendre la formation en ligne. Si tu veux, je te présente les biens immobiliers que je commercialise, donc avec ma casquette d'agent immobilier, je peux t'accompagner sur l'achat d'un bien immobilier locatif, lucratif. Voilà, 2023, quels ont été les points positifs? Quels ont été les points négatifs? Déjà, premier point, mon chiffre d'affaires. Mon chiffre d'affaires 2023, pour moi, c'était vraiment le highlight. Parce qu'effectivement, je ne m'y attendais pas. Déjà, c'est une année vraiment qui était très difficile pour les agents immobiliers, pas seulement moi, pour tous les agents immobiliers, parce qu'effectivement, les taux d'intérêt avaient augmenté, le volume de financement sur les biens immobiliers vraiment diminué. Les personnes, voilà, étaient réticentes sur l'investissement immobilier, mais du coup, j'ai quand même réussi à faire un chiffre d'affaires qu'on m'a dit qui était plutôt acceptable. J'étais vraiment tellement, tellement contente. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé derrière, parce que vous avez aussi vu les posts. Chaque fois que j'allais chez le notaire, je faisais les posts par rapport à ça. Chaque fois que j'avais un succès, je communiquais et tout le reste, accompagner des personnes, vraiment, je le fais très volontiers. C'est quelque chose qui me passionne vraiment, l'immobilier, parce qu'effectivement, je suis d'avis que toutes les personnes de la diaspora camerounaise doivent être propriétaires maximum à 35 ans. Et là, je pense que je suis sur la bonne voie pour les personnes qui m'ont contacté jusqu'à présent. On avance plutôt bien, quoi. Donc, du coup, moi, j'étais trop, trop, trop contente en fin d'année. Quand j'ai regardé le chiffre d'affaires que j'ai pu faire, je me suis dit, waouh, super, well done. C'est plutôt pas mal, Mathilde. Tu as vraiment bien bossé cette année. Le deuxième point qui m'a marqué, c'est que je me suis rendu compte que parfois ça peut vraiment être difficile quand on est dans le business. Je vais pas dire que peut-être parce qu'on est une femme ou peut-être parce que voilà, mais dans le business parfois il y a des coups bas quoi. Et il va falloir être prêt pour supporter ces coups bas-là. Ce n'est pas toujours évident. J'ai eu un coup bas naturellement, un choc qui m'a vraiment un peu secoué où je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que ça arrive et tout le reste. Je vais pas vraiment vouloir en parler dans les détails pour ne pas donner de l'importance à cela. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a quand même touchée, quoi. Et puis, je me suis dit, en termes de business, voilà, il faut être prêt parce qu'effectivement, on est sur le marché. Il y a certainement des parts sur le marché et puis chacun essaye de profiter du maximum. Alors, chacun veut arracher sa part sur le marché. Et puis, bon, si tu es sur son chemin, voilà, il peut te piétiner sans vraiment tenir garde ou alors sans vraiment d'avoir de l'émotion, quoi, parce qu'effectivement, voilà, c'est quand même quelque chose, il y va de l'argent et tout le reste. Donc, bref, on ne joue pas sur les œufs, comme on dit souvent, mais en finalité, comme on dit aussi, on ne pleure pas, parce qu'effectivement, personne ne t'a envoyé faire le business. Donc, c'était un peu ça, j'ai eu quand même un coup assez dur l'année passée, mais bon, voilà, c'est à travers les épreuves difficiles qu'on arrive à grandir et qu'on arrive aussi à surmonter des choses qui vont arriver éventuellement plus tard. Le troisième point, non, c'est voilà, c'est que j'ai compris qu'il faut vraiment bosser. Donc, il faut vraiment bosser. Le focus, le travail, ça paye, quoi. Donc, du coup, c'est comme je dis, j'ai vraiment beaucoup travaillé, je pense, l'année précédente, que ce soit dans les publications, dans les écrits, dans les textes, dans les vidéos, apporter vraiment de la valeur aux personnes qui me contactent, aux personnes qui veulent que je fasse ce chemin avec eux. C'est vrai que je me suis rendue aussi un peu en fin d'année que j'arrivais un peu à mes limites, que j'étais un peu,
je sais pas si je veux dire fatiguée ou quelque chose comme ça, mais que j'avais besoin d'aide, quoi, que j'avais besoin de soutien par rapport à cette activité entrepreneuriale. Et c'est pour ça que je me suis pris vraiment l'aide dès le début de cette année par rapport à mes activités, que ce soit stratégique pour que je ne puisse pas toujours me sentir seule, alors être la seule personne qui fait tout, quoi, si on veut dire pratiquement. Donc là, je suis vraiment en bonne phase de délégation pour pouvoir aussi avoir un peu plus de temps pour me concentrer sur les activités que je fais déjà bien, pour pouvoir encore éventuellement les perfectionner, quoi, parce que c'est effectivement aussi ça le but. Le but, c'est que sur le long terme, que vous ayez vraiment une très bonne plus-value quand vous venez sur la chaîne immobilière en Allemagne, ou alors quand je vous accompagne de façon individuelle. Le quatrième point, qui est vraiment quelque chose qui m'a touchée et qui m'a vraiment touchée aussi positivement, parce qu'effectivement, je pense que c'est même pour ça qu'on fait l'entrepreneuriat, ce sont les feedbacks qui étaient tellement positifs en fin d'année. Donc, des personnes qui revenaient vers moi et qui disaient vraiment, merde, Madèle, merci pour l'accompagnement, c'est très bien ce que tu as fait, c'est grâce à toi que j'ai pu acquérir, c'est grâce à toi que j'ai pu faire ça. Bon, c'est vrai que ça revient même jusqu'à présent, quoi, et ça fait vraiment chaud au cœur, parce qu'après, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui, même, voilà, quand je travaille, c'est plus difficile, te disent qu'ok, voilà, tu es là, tu as quand même pu impacter, tu as pu influencer. Et c'est pour ça aussi que quand tu me contactes, quel que soit ton niveau, alors quel que soit ton degré, que tu sois encore prospect ou alors que après quand tu serais client, je m'efforce toujours vraiment à être disponible, quoi. Je m'efforce vraiment à répondre aux messages, à t'écrire, à te motiver. Bref, pour tous ceux qui ont besoin d'aide et qui viennent vers moi, ils savent que en général, j'ai toujours minimum une oreille pour les écouter. Et après, pour leur proposer une solution, si j'ai. Naturellement, je ne connais pas tout. Je peux aussi arriver à mes limites. Ça peut arriver. Mais dans la majorité des cas, ce que je fais, c'est que je reste vraiment toujours à côté de la personne qui m'a posé un problème pour pouvoir trouver une solution ensemble. Parce que je suis convaincue que c'est ensemble qu'on peut aller loin. C'est ensemble qu'on peut grandir. Cette aide-là m'a vraiment manqué à moi quand j'ai commencé mes investissements immobiliers. Et aujourd'hui, avec ma chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de corriger le tir. Je ne veux pas forcément que les personnes qui font l'acquisition immobilière aujourd'hui se retrouvent seules comme je me suis retrouvée par le passé. Et c'est pour ça que je vous donne toutes ces connaissances, tout ce know-how pour tous ceux qui en ont besoin. Voilà, c'est comme ça mon année 2023. C'est vrai que je fais ça assez tard. Je ne sais même pas si j'ai encore le droit de le faire. Parce qu'effectivement, généralement, je crois fin décembre, début janvier, les gens sont en train de faire déjà les vidéos bilan de l'année, bilan de l'année. Moi, c'est plutôt fin janvier que j'ai réussi à les faire. Mais bon. Pour ceux qui vont vouloir regarder, je crois que le bilan reste le même de toutes les façons. C'était pour moi aussi une année, voilà, agréable. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de projets, il y a eu beaucoup d'accompagnement, il y a eu beaucoup de succès. Il y a eu un coup bas, mais je crois que ça fait partie du game. Mais sinon, c'est que je suis relativement satisfaite. Et cette année, je suis armée pour pouvoir affronter vraiment l'année 2024 avec beaucoup de positivité, comme d'habitude, et aussi pour donner le maximum, pour être disponible. Les projets sont déjà disponibles, les projets 2024 que je vais donc proposer. Pour ceux qui veulent l'accompagnement, ça a aussi déjà vraiment commencé avec des personnes qui ont pris l'accompagnement. Donc du coup, faites un tour sur la chaîne, faites un tour sur les liens et dites-moi quel est le service qui vous parle le plus. Je serai naturellement ravie de vous accompagner. Merci à toi de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite comme ça à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.